que la route là l'avancé, il y a payé travail. Et nous féliciter particulièrement le président de la République là pour tout effort fait pour l'atteindre ça. Parce que nous avons il y a décennies que route Terre-Neuve, il y a parlé de lui, mais je dis à son réalité. Président Jovenel, nous voulons dire dans nos populations que la population Terre-Neuve là, il pas regrette parce qu'il te font meilleur choix. 23 km route ça là, c'est un coup où sorti Terre-Neuve pour aller Gonaïve, plutôt où sorti Gonaïve voir le Port-au-Prince, tellement route là t'es pas bon. Et président Tewel, il était constaté ça dit c'est pas un menti parce que l'aile d'Alterneuve, il était dans hélicoptère, l'aile a tourné, il tourné dans machine. C'est-à-dire, il connaît problème Terre-Neuve là. Mais Terre-Neuve, d'une façon générale, si on a une commune dans le département de la Tibonite, nous pas qu'à dire plus riche que toute commune. Yo. En termes de couverture végétale, les gains, les plus denses, les plus excellents. Par exemple, Terre-Neuve, c'est zone de production de mango, surtout mango francic, zone de production zaboka, kenep, un peu de tout. Au moment où la fête, j'aurai ici pas gâté. Orange pas gâté, chadec pas gâté, citron pas gâté, un peu de tout. Surtout mango. Mango, Terre-Neuve gagne mango pour le bail tout pays. Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale d'Haïti. On le fait encore pour week-end ça. Nous déplacer pour nous regarder comment ça travail qui a fait dans le cadre de caravane changement. Comment y a même y a avancé. Et nous noté pour que caravane changement qui est en ligne sous différents départements. Et là, je dis à nous dans le département de la Tibonite. Nous dans zone Mont Soleil qui trouve l'île tout de suite après qu'au fin qui était Gonaïve puisqu'au passé Kafou, Kasoleil, vous capable d'arriver Mont Soleil. Nous avons notifié pour que côté nous là, c'est route qui menait jusqu'à Terre-Neuve là qui lui-même en deux département la Tibonite là et route ça jodi a qui a bénéficié de travail dans cadre caravane changement et ensemble nous sommes gardés gens que n'a pas suivre li en image là nous sommes gardés comment il a fait travail dans route pour mener sur pour dans route pour mener Terre-Neuve là n'a notifié pour que route ça li est en sur en valeur 23 km sorti Kafou Kasoleil pour capable arriver dans ville Terre-Neuve là et ensemble nous t'a regardé comment réalité y est par rapport avec construction route ça qui y de gros travail qui a fait la dernière, notamment dans l'élargissement MONE. Ricardine Desanges depuis département de la Tibonite pour Télévision Nationale d'Haïti. Babi, et là, nous sommes dans le Grand Nord. Hein? Nous sommes dans le Grand Nord avec Ricardine Desanges. Ricardine qui a fait nous visiter ensemble de communes dans le Grand Nord. Il n'y a pas de Grand Nord, ou pas cap négliger Nord-Est, ou pas cap négliger la Tibonite, ou pas cap négliger le département du Nord. Et là, nous étions Kafou Kas tout à l'heure, toujours dans le Grand Nord. Nous te voyons qui j'en réalité aille pour moun kap vive dans zone ça. Dernier côté, équipe caravane ap mené noir square, c'est pral Pilboro. Nous connaissons allié, pas gen trop longtemps depuis que le travail a commencé dans le niveau de Pilboro. Et là, en plus moun déjà, ouais, le travail ça a fini, ça pral permettre la circulation en fait qui vient sous le monde Pilboro. Monsieur, dame, travaux publics, CNE, le film qui accompagne, continue à travailler sur route là. Je dis à nous parler de ouais, dans quel niveau travailler, qui s'est fait, qui s'est crété pour faire, qui s'est pas fait. Ricardine Desanges, Pierre Duvigneau et Hippolyte, parle votre réponse à vous. Télévision nationale d'Haïti n'a pas rapproché ensemble avec Virerounio dans le département PIA. N'a pas notifié pour que nous sortions dans le département de la Tibonite. Et pour Kounia, n'a pris direction le département nord là. Et Kounia, côté nous en parler là, nous trouvons exactement dans Mone Pilboro, puisque il y a un travail qui a fait au niveau de Mone Pilboro. Et jeudi là, nous sommes capables de constater le DM là, téléspectateurs et téléspectatrices. Je qui ont pas suivre le soutien qu'on a, c'est revêtement qui a fait au niveau de Mone Pilboro. N'a pas notifié pour que déjà gagné 2 km dans mon Pilboro qui pratiquement joint deux premières couches revêtement et je dis à là c'est troisième couche là, si c'est pratiquement troisième couche finale qui a fait au niveau de 2 km ça yo, selon toute information que nous avons joint dans main responsable qui tout dans main responsable que nous avons trouvé sur place. Nous allons quitter suivant ensemble avec nous comment travailler avancer au niveau de mon Pilboro et en même temps on a essayé faire d'une pierre d'un coup pour nous rester capable
capable rejoindre habitants dans zone pour capable nous mot par rapport avec travail qui a fait au niveau de monde Pilbeau. Voilà, téléspectateurs et téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, vous avez suivi ensemble avec nous là, soutien le comment travaille construction route Pilbeau, à lui-même l'avancé. Dans le rappel, il y a un parti qui déjà recevoir asphalte et dans le moment où nous avons fait tourner ça, nous sommes capables de constater qu'il y a continué de travailler sur route là, puisque il y a un troisième revêtement qui a continué dans le moment où nous avons parlé là. Très certainement, route Pilbeau, il y a l'autre point là qui a travaillé là, il y a un côté qui a continué de travailler l'élargissement. Et comme ça, on est capable d'avoir une idée de comment la situation est pour qu'on y a au niveau de Pilbeau qui trouve dans le département de notre pays. Ricardine Desanges, Télévision nationale d'Haïti, depuis Pilbeau. Voilà, merci un peu, Ricardine Desanges, qui te permet de nous avoir une idée de comment ça y est au niveau de Pilbeau avec travail qui avance très certainement. Là, vraiment, à ce moment-là, nous faisons plusieurs départements. Hein? Nous faisons le département nord, nous faisons nord-est, nous faisons la Tibonite, nous faisons l'ouest. Nous faisons Grand'Anse et nous faisons Sud. Et c'est dans le Sud d'ailleurs, et c'est Sud qui accueille l'émission spéciale pour semaine ça. Simon qui recevoit nous, Simon qui est fier, Simon qui a l'autre visage, Simon qui a vive convention MBSH et qui permet de nous réaliser l'émission pour semaine. Nous souhaitons ensemble d'images que nous avons pour là pour permettre mieux comprendre ce qui a passé. L'équipe de coordination caravane à travers doléances population pour être capable d'ajuster ça qui doit ajuster, corriger, rectifier ça qui doit corriger, pourquoi pas, renforcer très certainement ça qui doit renforcer. Là, c'est j'en dis là, c'est Simon qui te recevoir nous pour ce maintenant. Simon avec 82e convention annuelle MBSH là, qui a fini demain dimanche là. Et déjà on a précisé Télévision Nationale d'Haïti en direct dans Grand Tabernacle Simon pour dernier instant 82e convention MBSH. Mais pour qu'on y ait, je suis capable de suivre sur l'écran, sur Jasmine, pour mettre un monde qui a regardé, ouais, c'est va et vient, qui a fait que joue là, hein, Simon. Hein? Ou pas t'as dit le fait que joue. Ça, pour nous comprendre, c'est que pour Viloca, week-end ça, attraction, c'est Simon Lié. Pour Viloca, week-end ça, rendez-vous, c'est Simon Lié. Et quand on peut nous gagner un pour avec ça qui a passé dans notre ménage, là, avec Simon, qui vient regarder, qui vient parler, qui vient rencontrer le monde, vient acheter tout, parce que sur toute route, qui menait vers Tabernacle Simon Okay, gagner machin, gen moun k ap vann rad, gen moun k ap vann manger, n'est-ce pas, et gen moun k ap vann tout produit artisanal, bagay qui ka permettre que surtout étrangers, surtout moun qui sorti l'autre pays, vin en Haïti dans quatre conventions, acheter un souvenir pour retourner la caillou en bonne et due forme. Par exemple, nous remarquer gen des jeunes qui fait des bracelets avec thème convention Anessa, hein, convention qui a que ton thème qui lié à salut, plan salut pour chrétiens yo.
Et là, l'équipe de M. Chayo a fait un bracelet avec thème convention. Vraiment, c'est des barrages intéressants qui est disponible sur le site qui menait vers Grand Tabernacle, Simon Okaï. Motocyclette fait quinquin, on connaît Okaï, est vraiment réputé pour ça. Et machine vraiment fait quinquin. Et un peu de monde dans Tabernacle. Il y a des gens d'ailleurs, selon l'information que nous avons, c'est comme ça que nous avons chaque année, qui parlent à Kayo, tout était dans la cour Tabernacle, qui dormit, qui levait là, et qui vivent convention hein, depuis mercredi soir et a quitté Tabernacle demain dimanche là, après une série de transferts que le comité exécutif a gagné pour annoncer Jean Satoujouye chaque année. Alors voilà en gros comment ça y est. Dans le moment où on a parlé à ces derniers cultes journées, qui a fait, nous dit c'est 13e service dans le cadre de la convention ça. C'est docteur Clermont qui a porté message dans le moment ça. Et j'en ai souligné là, demain dimanche là, TNH a porté pour en direct la Caillou. Eh bien, dernier service, dernier culte pour convention mission évangélique baptiste sud d'Haïti. Merci tout le monde qui t'a accepté nous river la caillou à ce soir. Vraiment toute ton équipe t'est mobilisée pour te rendre programme ça possible. Delma 33, Ralph Bernard est là, Patrick t'a fait liaison au niveau de la mise en ordre. Et puis ici il y a Simon Okaï, Richie Junior Avril, remarquez présence Val Raymond, Pems Jean-Baptiste, Richardson Joudan, Ricardine Desanges, Friends Canal. Et merci un peu la directeur de production à Saül, Jasmine Lorsemet a fait réalisation, Harry Denis était dans l'audio. Et puis tout ça sous supervision, directeur général, là, Gamal Jules Augustin. Merci tout le monde. Et on quitte Mounio, Jasmine, avec Image Simon. Mounio Capral, qui déjà prend chemin la caillou, puisque déjà il peut se passer 10 heures, pendant que le service là poco fini. Dans le Grand Tabernacle, Simon Okaï. C'est avec Imaï Sao, on a quitté. Vous êtes sous télévision nationale d'Haïti. Pour aller télégénie tout de suite après. En attendant, nous rejoignons demain matin, 8h tapant, pour le dernier culte dans la 82e convention Mission évangélique baptiste Sud d'Haïti.